prévu quoi comme cadeau pour la fête des mères? Tada! Un collier de nouilles? T'es sérieux là? C'est pourri comme cadeau! Même en maternelle, ils trouvent ça nul! N'importe quoi, c'est super comme cadeau, tous les parents le disent! Réfléchis une minute, est-ce qu'une seule fois dans ta vie, t'as croisé une maman avec un collier de nouilles autour du cou? Ok, t'as raison, c'est nul comme cadeau! T'as prévu quoi pour la fête des mères, toi? Moi, le plus beau des poèmes. Maman, mon modèle, avec toi la vie est toujours plus belle. À tes côtés, je me sens pousser des ailes. Te désobéir serait criminel. Vivre sans toi serait tellement cruel, car tu es quelqu'un d'exceptionnel. Attends, c'est pas le même que l'année dernière. Oui, bon, ça va, j'avoue. J'ai pas de cadeau, j'ai pas d'idée. Alors comment on va faire? Il nous reste pas beaucoup de temps avant que maman rentre. Je sais! Fini les cadeaux de bébé! Je vais lui acheter un truc avec mes sous! Et ce sera le plus beau cadeau de sa vie! Non, ce sera mon cadeau le plus beau! Maman, ça va être ta fête! Ah oui, tu comptes lui acheter quoi avec ça, un chewing-gum? C'est sûr, elle va s'en souvenir toute sa vie! Parce que toi, c'est mieux peut-être! Si seulement on avait de l'argent. Dégage, crabe. T'enlèves la lienne. Cookie. Le casque anti-rayon cosmique de Capitaine Courage. Je le cherchais partout, trop bien. Mais le trésor est à moi. T'es sûre de toi, l'alien? Alors, qui va avoir le plus beau cadeau? Alors, tu lui as acheté quoi? Une carte de vœux? C'est sûr, elle va s'en souvenir toute sa vie. Moi, j'ai pris la plus belle boîte de chocolat du magasin. Oui, bah moi au moins je risque pas de l'empoisonner. Empoisonner? Comment ça? Je te rappelle qu'elle est allergique aux noisettes. T'es sûre qu'il n'y en a pas dedans? Ben, je sais pas, c'est pas marqué sur la boîte. Bah vérifie, ce serait dommage qu'elle soit couverte de plaques le jour de la fête des mères. Ah, la plus belle des mamans. Non, c'est nul. Dans tes dents, la yelle, je les ai toutes mangées. Pas un seul à la noisette. Alors, c'est qui le meilleur? C'est toi! Maman va être ravie! Une boîte de chocolat vide! Wouh! Tu vas me le payer! Laisse tomber, microbe, tu m'auras pas! Ma carte! Je sais pas ce que maman va préférer, une boîte vide ou une carte toute mouillée? Microbe, je vais t'étrangler. Alors les enfants, ce soir c'est le grand soir. Maman va pas tarder à rentrer, vous avez trouvé vos cadeaux? Oui, oui. On a hâte. Réunion de crise dans ma chambre. L'heure est grave, pas de cadeaux, pas d'argent, faut vite trouver une idée. On peut faire un pot à crayon avec un rouleau de papier toilette. Y a pas à dire, Microbe, tu sais faire rêver les femmes. Oh, mais oui, c'est ça. À ton avis, quel est le rêve de toutes les femmes? Le pistolet laser BX-4000 du Capitaine Courage. Ah non, ça c'est le mien. Je t'explique, le rêve de toutes les femmes, c'est d'être une princesse. Ah ouais, et alors? On va faire passer à maman une soirée de rêve où on sera aux petits soins avec elle. Pas trop mal comme idée pour une alien. Oui, je sais. Par contre, pour ça, on va devoir faire un truc. Rien d'y penser, j'ai des boutons. Et ça va pas te plaire non plus. Microbe, on va devoir faire... équipe. Quoi? T'es malade? Réfléchis deux minutes. Qu'est-ce qui rend maman vraiment furieuse? Quand on se crie dessus? Voilà. Et tu crois qu'elle va passer une soirée de princesse si elle passe son temps à nous courir après en hurlant pour pas qu'on se dispute? Ok, l'alien, mais juste pour ce soir. Sans rire. Ok, toi tu trouves des fleurs pour l'accueillir et moi je prépare le repas. Ouais, super!
l'enthousiasme des simples d'esprit. Bonsoir mon cœur, alors tout s'est bien passé? Il y avait un monde fou, je suis épuisée. Les enfants t'ont préparé une petite surprise qui va te remonter le moral. Bonsoir maman, pour la fête des mères on t'a préparé une soirée royale. T'auras rien à faire, juste à te détendre. Et en plus, on te promet de ne pas se disputer de toute la soirée. Ah oui? Et vous iriez jusqu'à vous faire un bisou? Un bisou? C'est trop mignon. Bonne fête, princesse maman. Mes roses, je les bichonne depuis des mois. Ça va pas à la tête, Microbe? Pourquoi t'as pris ces roses? Tu pouvais pas prendre autre chose? Bah quoi, tu m'as dit des fleurs. J'ai pris des fleurs, j'allais pas prendre des poireaux. Allez mon amour, hein, ils y ont mis tout leur petit cœur. Je t'en replanterai plein demain avec Tom. Princesse maman. Si vous voulez bien. Si madame veut bien se donner la peine. C'est magnifique les enfants, merci beaucoup. T'en fais pas pour cette histoire de fleurs, ça repoussera. On a une petite surprise avant le repas, on revient tout de suite. Monsieur aussi peut s'installer, hein? Tu prends sa trousse de maquillage et moi je fais quoi? On fait équipe, je te rappelle. T'as qu'à prendre le parfum. Allez, dépêche-toi. Une princesse doit être belle en toutes circonstances. Un petit raccord maquillage avant le dîner? Avec plaisir. Et un peu de parfum pour sentir bon comme une princesse. Il sent trop bon ton parfum. Personnellement, je trouve qu'il sent un peu les toilettes. Je peux te parler 5 minutes? On revient tout de suite. T'as fini de faire n'importe quoi? Il est hors de question que tu fiches la soirée en l'air avec tes âneries. Ben quoi? Elle a l'air trop contente, on fait une super équipe. C'est ça, une super équipe qui va se faire punir à cause de toi. Dégage, Microbe. Ah non, c'est moi qui fais le service. Lâche ça. Non, c'est moi. Lâche, je te dis. C'est moi. Mais lâche. T'énerve pas. Y'a qu'à en faire une autre. C'est ça, une tarte au petit pois comme celui que t'as dans le crâne. Mais si je t'attrape. Tout va bien les enfants? Oh oui, on apprenait un tour à Grippy pour ta fête. Tada. Maintenant, il rote. Très délicat. Bon, pas de bêtises, hein. Oh là là, on n'a plus d'œufs pour refaire une tarte. Bon, Microbe, reste pas dans mes pattes, sinon je t'étrangle. Va faire couler un bon bain à maman et moi je trouve une solution. Pétales de pommes de terre, délicatement enrobées de leur sel de mer. Oh, c'est très bien trouvé pour des chips. Merci, ma chérie. J'adore ça. En vous souhaitant un bon appétit. Je vais commander des pizzas. Bravo, Microbe. T'as gâché mon repas de princesse. À partir de maintenant, t'es plus dans mon équipe. Calmos, l'alien. Maman va être trop contente de mon bain royal. Regarde, pas une seule goutte par terre. J'avoue, c'est ce que j'appelle un bain de princesse. Tu te moques de moi ou quoi? Bah oui, Microbe. Faut qu'il y ait des bulles, des couleurs, que ça sente bon, que ça en jette, quoi. Si tu le fais, fais-le à fond. De la couleur. Des fleurs. Zut, tout est sur la table en bas. Et pour couronner cette soirée de princesse, Tom, mon petit frère adoré, t'a préparé une dernière surprise. Il s'est débrouillé tout seul comme un grand.
Encore une surprise. J'ai hâte de voir ça. Si vous voulez bien me suivre. Hein? C'est magnifique. Mais je te conseille quand même de tout nettoyer et rapidement, Tom. Oh, Tom, je sais que c'est l'intention qui compte, mais l'année prochaine, un collier de nouilles, ce sera très bien. Ah, tu vois? Vivre sans toi serait tellement cruel, car tu es quelqu'un d'exceptionnel. Oh, c'est tellement mignon. C'est le même que l'année dernière. C'est pas grave, je crois que je pourrais l'entendre tous les ans. Ah, tu vois?